Alors, pour réaliser ce point, pour un exemple, on va monter 20 mailles. On va monter 20 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, 17, 18, 19 et 20. C'est mailles. Première rangée, on va faire une rangée par l'endroit. On termine par une maille par l'envers, la deuxième rangée. On va tricoter toutes les mailles par l'envers. Alors, troisième rangée, on fait une maille lisière, on fait un surjet simple, je tricote la deuxième maille et je glisse la première maille sur la maille tricotée. Un surjet simple, on fait deux mailles à l'endroit, je fais un jeté, je fais une maille à l'endroit. Un jeté et je fais deux mailles par l'endroit et je tricote deux mailles ensemble par l'endroit. Ça, c'est la séquence. La rangée s'arrête par deux mailles ensemble à l'endroit et on répète la même chose. La séquence, donc, on fait un surjet simple. À l'endroit, deux mailles tricotées par l'endroit, je fais un jeté, je fais une maille par l'endroit, je fais un jeté, je fais deux mailles à l'endroit et la séquence se termine par deux mailles tricotées ensemble à l'endroit et là j'ai ma maille lisière. Ça, c'est la première rangée du point. La troisième rangée du point. La quatrième rangée, je tricote toutes les mailles par l'envers et les jetés. Un très joli point. Quatrième rangée, comme j'ai dit, toutes les mailles, on les tricote par l'envers. Ça, c'est la quatrième rangée. La cinquième rangée, on fait une maille lisière, une maille tricotée à l'endroit, un surjet simple. Je fais un surjet simple à l'endroit. Un jeté, trois mailles à l'endroit, donc une, deux et trois. J'ai fait un jeté, deux mailles tricotées ensemble à l'endroit,
une maille à l'endroit. Ça, c'est la séquence de la cinquième rangée. On va répéter la même chose. Une maille à l'endroit. On fait un surjet simple. Un jeté. Tricote 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Un jeté. On fait 2 mailles tricotées ensemble par l'endroit. Et la rangée se termine par une maille par l'endroit et la maille lisière. Ça, c'est la cinquième rangée. Et la sixième rangée, on répète toutes les mailles par l'envers et on repart avec la sixième rangée. Donc, la quatrième rangée et la sixième rangée sont à l'envers. On refait la rangée numéro 1 et on répète la rangée numéro 3 et on va répéter les 6 rangées. Donc, je répète la première rangée. La première rangée, c'était tout à l'endroit. La deuxième rangée par l'envers. Et on refait la troisième et deuxième rangée par l'envers.